relation avec le théâtre des confettis est vraiment, je dirais, riche. Ça serait un petit mot. Je dirais que c'est ma famille. Le théâtre des confettis, je dirais, Hélène Blanchard et Judith Savard, sont, je dirais, sont celles qui m'ont le plus probablement ouvert les bras dans mon parcours théâtral et qui ont, comme tout de suite, montré de la curiosité envers le type de questionnement que j'amenais dans mon écriture, dans la mise en scène. Donc, j'appelle ça ma famille. Les confettis, c'est ma famille. Moi, je dirige aussi le théâtre Sortie de Secours depuis presque 25 ans. Et notre mandat, ce n'est pas de se consacrer au théâtre jeune public, mais on s'est associé déjà deux fois avec les confettis pour essayer de développer le texte en laboratoire avec les confettis, tout ça. Mais ça remonte à encore plus loin, mon lien. Je pense que j'avais été assistant à la mise en scène de Robert Lepage. Je pense que c'est la deuxième assistance à la mise en scène. Et Robert Lepage, dans ce temps-là, avait mis en scène avec les confettis Comment devenir parfait en 3 jours, mais il montait ça en cachette de son agent. Parce que son agent, il voulait pas. Parce que Robert avait décidé qu'il faisait ça pour rendre service. Parce que j'ai comme l'impression que c'était aussi la famille de Robert. Donc, en cachette, moi, je suivais Robert, puis on allait aider les confettis à mettre en scène comment devenir parfait en 3 jours. On s'en allait à un autre spectacle. Et puis, bon, ben, le lien s'est créé là. Après ça, j'ai fait une autre assistance à la mise en scène. Cette fois, c'était comment. C'était Pleurer pour rire de Marcel Sabourin. Et là, c'était Brigitte Hankins qui avait fait la mise en scène. Là, je faisais l'assistance. Donc, ça remonte à quand même assez longtemps. Après ça, j'ai eu des enfants, puis j'ai compris que c'était important d'écrire.